C'est assez rare pour être souligné. Le prince Albert est apparu en forme aux côtés de sa sœur, la princesse Stéphanie, lors du Festival international du cirque de Monte-Carlo qui était diffusé sur France 3, le 30 décembre. Si ces derniers temps, c'est bien avec sa femme Charlène qu'il honorait la quasi-totalité de ses engagements, le fils de Grace Kelly était souriant, portant une écharpe aux couleurs de l'événement autour des épaules. À ses côtés, Stéphanie semblait, elle aussi, ravie de partager ce moment avec son frère. Sa fille Pauline Ducruel les accompagnait. Monsieur Loyal, le maître de la piste, a tenu à remercier chaleureusement le prince Albert pour sa présence, au nom de tous les artistes réunis sur cette piste ce soir, au nom des professionnels du spectacle vivant, au nom du grand public et du public monégasque, permettez-moi, Monseigneur, de vous saluer et de vous remercier de votre présence qui honore, comme chaque année, le plus grand festival international de cirque du monde entier. Stéphanie de Monaco s'est engagée pour l'Ukraine. Le prince Albert a, à son tour, remercié Monsieur Loyal pour ses mots avant que le spectacle ne commence. Quant à Stéphanie de Monaco, on a pu la voir avec un regard attendri pour son frère. Celle qui va bientôt devenir grand-mère se fait relativement discrète sur le rocher, mais tout ce qui touche le cirque l'a toujours intéressée de près. En avril dernier, elle avait invité les étudiants du cirque d'Ukraine, qui avaient réussi à fuir le conflit dans leur pays, à participer au festival du cirque de Monte-Carlo. Quant au prince Albert, après quelques mois difficiles dus à la maladie horrible de sa femme, il s'est confié dans les colonnes du magazine People, « Je suis vraiment fier de ma femme », a-t-il expliqué, avant d'ajouter que l'année de l'ancienne nageuse professionnelle avait été extrêmement difficile. Mais le prince souverain a rassuré tout le monde en assurant qu'elle allait désormais très bien. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran France 3.